Ok, aujourd'hui on va écouter l'instrumental de Bordeaux et Koufa, son nouveau son du genre. On va ensemble analyser beaucoup plus l'aspect instrumental du son et voir un peu comment il a chanté dans ce son. Ok. Voilà, donc déjà le refrain, il est assez intéressant. Je trouve qu'il a très bien introduit le son. C'est vrai qu'il a pris les mêmes paroles. On va dire, il a amélioré un peu le refrain du premier artiste, qui s'appelle Brésimet. Donc, déjà l'introduction, aspect instrumental, c'est les guitares qui font des mélodies. Ensuite, on a les percus et différentes batteries qui entrent pour donner la rythmique dès que la mélodie, dès que les différents refrains commencent. Voilà. Donc là, en plus des guitares qui jouent, je viens d'ajouter les balafons. Et ça pourrait pouvoir donner une autre variation de couleur à l'instrumental. Donc là, tu vois que c'est parti. En même temps, le beatmaker, il accompagne les différentes paroles de Bordeaux avec différents pianos, différentes mélodies, des flûtes, pour pouvoir donner une autre variation cinématique. Donc c'est un peu ça. Donc là, une autre mélodie vient d'entrer. Pour moi, ça c'est la meilleure partie de l'instrumental parce que là, on a laissé l'instrumental jouer. On a en même temps fait les accords sur une différente mélodie principale. Écoute ça. Là, il y a une guitare mute qui vient d'entrer. Voilà, donc en gros, c'est un peu ça. Quand je vois après, on va jouer les mêmes guitares et les mêmes au départ. On va juste balancer un peu avec différents accords. Mais sinon, de base, l'instrumental, il est parfait. L'artiste a très bien chanté. Et les paroles aussi, il a pu créer un test qui allait avec en même temps le refrain. Donc, sur ce, je ne peux que encourager de Bordeaux et Koufa. Et en même temps, je vais faire un instrumental de ce son qui sera disponible.
ceux qui regardent la fin de cette vidéo, c'était El Senior. N'hésite pas dans la description à me contacter sur WhatsApp, TikTok, Instagram. Tu peux aussi télécharger également des séries vidéo.